Plop les gens, de retour sur Dungeons, même mission que précédemment. Cette fois, on va y arriver à tout empoisonner. Les armées du mal avaient atteint les villes presque franches. Plusieurs grandes villes s'égrenaient sur de nombreuses petites villes. Oui, on s'en fiche. Alors, cette fois, on connaît un peu la carte. On connaît un peu la carte, ça me fait déjà bizarre de voir à quel point les salles sont petites. Oh, juste comme ça, ça pourrait suffire. Non, ça devrait le faire. Bah, si tu l'as, teste-le après. Si tu... Je sais pas, moi je l'avais testé avec le Humble Monthly à l'époque. Et vu que j'avais commencé une série, bah je continue. Mais après, il est pas hyper bien noté, quoi. Donc ne te force, enfin ne l'achète pas si te tente pas trop, on va dire. Quelle est cette chose étrange dans le donjon? On dirait une sorte de portail, mais il est inactif. Dans ce cas, on peut l'ignorer pour l'instant. Ah, bien sûr. La charmante simplicité des esprits maléfiques. Mais avouons-le, ce portail semble solidement construit et complètement indestructible. Il n'est donc pas totalement absurde de l'oublier pour l'instant. Oh mince. Après, si t'aimes les jeux de stream de type Dungeon Keeper, bah, il est pas mal. Je pourrais pas dire par rapport à d'autres, vu que je n'en ai pas testé d'autres. Mais voilà. Moi je l'aime bien, je passe du bon temps. C'est pas le meilleur jeu de stratégie du monde. Mais l'histoire est marrante, tout ça, c'est cool. Voilà. C'est tout. Ça me suffit. Oui, ici il y aura la prison. Il faut. Alors ça c'est du 3x3. On va agrandir la salle au maximum. On n'y a pas besoin. Alors les premières recherches, Naga parce que c'est cool. Talia parce qu'elle est forte. T'as adoré les vieux Dungeon Keeper. Ouais. Bah. Ouais. Je pourrais donc pas trop t'aider. J'ai Dungeons. Dungeons, je crois. Il est bien fait par IE. Édité par IE. Non. Quoique en fait si. C'est compliqué à... C'est pixelisé. Faut se mettre dedans, quoi. J'ai adoré les vieux Dungeon Keeper, mais je crois qu'il y a juste eu Dungeons en alternative récente. Ouais, il y a Dungeons 3. Il y a... il y a Overworld. Je sais pas quoi, Overworld. Et je crois qu'il a pas été très bien noté, d'ailleurs. Mais sans précisément savoir ce que c'est. Oui, d'accord. C'est m'agrandir, c'est ici. Et une pièce comme ça. Ça c'est pour avoir un peu plus de stock, efficacité de 20%. Mais vous allez bosser, ouais. Toi aussi. Ici on va pouvoir avoir une vraie salle au trésor.
après, si tu prends le jeu, il y a un mode escarmouche, un mode coop, tout ça. Donc, si tu as envie, on pourrait essayer ce mode. Mais ne l'achète pas dans ce but là non plus, quoi. Voilà, la salle est prête. J'ai personnellement beaucoup de mal à faire la différence entre l'odeur du poisson pourri et celle des morts vivants. Mais le nez des héros locaux était bien plus sensible. Ils décidèrent d'en découvrir l'origine, à savoir le sous-monde. Je veux parler du donjon. C'est toi qui vois. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Père, j'ai quoi comme armée? J'ai pas de naga. Il faut un diablotin, il me faut jour de paix. Une naga au moins. Défendez le cœur de donjon. Ah, la grosse main là, attends. Oui, oui, ça, tu m'as déjà dit, mais... Non, j'avoue que même l'esprit piraté d'abord et puis acheté ensuite, je ne le fais pas ou plus. D'ailleurs, pendant que t'es là, je sais pas si t'as vu, et puis ça me permet d'en parler, même si ça sera déjà fini normalement au moment où la VOD sortira. Le bundle sur itch.io. C'est un bundle... Il y a plus. Le premier jour, enfin il y a deux jours, il y avait 740. Alors on va dire jeux, mais c'est plutôt des objets, des items, je sais pas trop comment dire. C'est. C'est jeux et pas que. Il y a des sets de graphisme, j'allais dire, pour les jeux justement. Il y a plein de choses comme ça. Faut juste payer 5 euros et en fait c'est tout des dons pour tout ce qui se passe avec les Américains, le racisme ambiant sur place, Black Lives Matter quoi. Et du coup tous les dons sont répartis à 50-50 entre deux associations. Et dans ce bundle là, en plus de faire une bonne action parce que vous soutenez... vous soutenez une bonne cause. Il y a Céleste, il y a... Comment il s'appelle déjà? Il y a plein de bons jeux, il y a plein de jeux... On va dire... Je vais dire pourri, mais c'est pas le bon terme. Il y a plein de jeux, des concepts. Vu que c'est itch.io, c'est aussi pas mal de... De jeux qui sortent de Ludundare, je sais pas trop comment on dit, qui sont au final des. Comment ça s'appelle déjà Ludundare? C'est. Enfin, comment décrire? C'est. On donne un thème, on dit vous avez un week-end, voire une semaine pour faire le jeu, et puis des développeurs s'attaquent à ce défi. J'ai oublié comment on dit. Oui, je te pose toi. Pourquoi je t'avais en main? Pas mal de misclic apparemment. Non. Ça c'était pas un misclic, mais il fallait que je... Il y a du coup dans les jeux très connus et bah alors sûrement très bien. Game Jam, voilà, merci. Et sûrement très bien parce que je n'ai pas testé Céleste. Mais bon, je l'ai déjà acheté sur Switch et du coup là j'aurai une version PC, même si c'est pas Steam. Par contre les jeux, d'habitude itch.io propose parfois des clés Steam, mais pas là. Là en même temps, c'est compréhensible quoi. Il y a déjà assez de jeux, assez d'objets dedans, il y en a même trop on va dire. Les développeurs sont pas rémunérés, c'est vraiment que les associations.
Bref, du coup, dans les jeux, il y a Céleste, comme je n'arrête pas de le dire. Il y a Minit, j'ai fait une série dessus. Donc si vous avez aimé, que vous voulez le faire par vous-même, faire ce que j'appelle Minit moins moins, donc le New Game Plus en fait. Il y a comment s'appelle le jeu là, Escape the Gungeon, je crois. Défendez le cœur de donjon. Il y a, je sais plus, il y a trop de jeux. C'est pas grave. Non, la Naga, il faut qu'elle soit sauvée. S'il vous plaît. Il y a pas mal de jeux du coup concept en mode... Il y a des jeux à histoire. Il y a des jeux à... à gameplay très spécifique. Mince. Non mais la Naga là, elle va mourir. Le donjon se fait attaquer. Tac tac, toi. Je vais pas y arriver. Quoi? Y'a quelqu'un là? J'ai l'impression que j'ai perdu cette partie. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, allez-y, foncez, la plupart des jeux, même si vous y jouez pas, c'est pour une bonne action. Même s'il y a qu'un seul jeu qui vous intéresse, 5 dollars, j'ai dit euros, mais c'est dollars. C'est ridicule si vous foutez des bonnes actions. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Talia va réapparaître maintenant, normalement. Jour de paye. Toi, t'as besoin d'un mana. On va prendre ça. Ouais, oui, si. On va aller là aussi. Le jeu qu'on a marre de la musique de combat. Prends ça. Ah, ils sont stockés comme ça, ok. Une rumeur parcourait les rangs de l'armée du mal, affirmant qu'un antique site de rituel se trouvait dans le secteur. Il était censé permettre d'invoquer une créature démoniaque. Le mal se montra très intéressé. Et comment? De nouvelles créatures mortelles, c'est toujours bon à prendre. Thanos n'en reviendra pas quand je l'affronterai. Il y a encore des méchants. Donnez-moi vos ordres. Le mal a laissé Talia mourir, mais elle pourrait être ressuscitée, moyennant paiement. Toi, t'es fort, mais... qui ça? Votre cœur de donjon, okay. Se fait attaquer. Oh. Mais non, mais en plus, c'est toujours là. Bref. Talia. Toi. Là. Il va falloir vraiment qu'on sorte pour avoir les premiers points de malfaisance pour faire nos recherches. Pour le mal absolu. Pour ça, faut que qu'on se défende sans que elle meure, pour qu'elle puisse ressusciter tout et tout le monde. La Banshee. Allez, boss. S'il te plaît.
Non, j'ai... Ouais, je peux pas prendre ça. Boss là? Oui. Allez, suivant. Gros zigzag qui font. Troisième était peut-être pas nécessaire. Dans votre donjon. Et là, ils réapparaissent avec un PV. Donc il faut qu'ils prennent le temps de se soigner. Si tu veux, les sous. Défendez le cœur de donjon. Ma souris, je la voyais plus ici. Ne meurs pas, toi, j'ai pas de mana en stock. Toi, ressuscite des gens. Merci. Et les gens ressuscités mourraient pas tout de suite. Pour le mal absolu. Et du coup, le temps de se battre en espérant qu'elle ne meure pas pour continuer à ressusciter les gens. Bref. La Banshee qui se mord la queue. Non. La Naga qui se mord la queue. Non. Vous m'avez compris. Ça, je crois que c'est le symbole de je ressuscite, donc c'est très bien. Lâchez-moi. On va faire une zone comme ça. Comme ça. Jour de paix. Bossez plus vite. Déjà en train de déplacer les sous alors qu'ils n'ont pas fini de creuser la salle. Il faudrait qu'ils... Enfin voilà, je voulais éviter qu'ils transportent les sous à l'autre bout de la... du donjon. Pour pas grand chose. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Si je te mets là et toi, si je te repose, vous allez bien commencer à bosser. Oh non, ça... Voilà, les soins des nagas vont être beaucoup plus rapides que juste la sieste. D'ailleurs, toi, soigne-toi comme ça. Bye bye.
pris une nugget de l'autre côté. Toi, tu veux éviter de mourir. Bref, la partie commence moins bien que la précédente. J'ai l'impression, en tout cas. Parce que je ne fais que défendre. Oh putain, quoi, hein. Exactement, toi tu viens là. Il y a deux de tes chers collègues à réanimer. Non, ça suffit. Pas la venir comme ça la salle. Dès que tu les as réanimés, vraiment à l'instant où ils sont soignés quand même, non même pas, à l'instant où il sort, lui, moi je sors avec mon armée. J'aurais intérêt de près, on voit en même temps le diablotin qui mange des cuisses de poulet. Voilà, le dindon est là, il le prend, c'est directement une cuisse. Et il n'en fait qu'une bouchée. Alors, dirigez-moi vers l'ennemi. F2. Oh punaise. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Je viens de lire le patch note de StarCraft 2, c'est utile. Pas pour jouer, mais pour comprendre les streams. Ouais, j'avoue que la dernière fois, le stream, là, j'ai pas compris le... J'ai pas compris ce qui s'était passé avec la... c'était quoi ? Chez les Protoss, là, la truc qui met des boucliers. Ils peuvent lui mettre une overcharge et elle soigne tout le monde très vite, c'est ça? J'avoue que d'habitude je les suis pas spécialement, les patch notes de StarCraft, et puis on comprend quand même plutôt bien. Alors, vous êtes là, toi t'es là. Toi je t'aime beaucoup, mais je vais te laisser là. Et tout le monde dehors. Tout le monde dehors, juste ici. On a 2 minutes pour se soigner. À peu près. Voilà, shield batterie, voilà, merci. Overcharge target shield battery near a nexus, increasing its shield restoration rate by 100% annulling it and allowing it to restore shields without consuming energy for 14 secondes. Ah oui! Ouais, c'est à peu près ce que j'avais compris du coup. Mais. Ça a besoin d'être dans le rayon d'action, entre guillemets, d'un Nexus, quoi. Sur un pylône qui appartient à un Nexus. C'est ça. Du coup, ça fait plus 100%, donc ça fait deux fois plus de boucliers. Et ça ne consomme pas son mana. Ouais, c'est ce que je considère comme fort, c'est vrai. Et j'ai fait exactement l'inverse de ce que je voulais. Oui. D'ailleurs, si je vais dans le sous-monde... revenu à la vie. Toi, tu veux pas le remettre à la vie?
Alors là, j'ai 10 secondes pour les attirer et qu'ils crèvent tous dans l'eau. Oui. Voilà, c'est fait. Normalement. Sauf un, sauf... Si. Parfait. Parfait, j'ai pas à défendre. Soudain, un portail bizarre commença à s'illuminer dans le donjon. Il se passait quelque chose. Des héros l'avaient apparemment activé et comptaient s'en servir pour accéder directement au donjon, sans devoir se coltiner la longue marche en surface. Quoi ? Des héros utilisent un portail pour accéder au donjon ? Le mal avait conduit son armée dans une embuscade. Oups. Cela n'allait pas bien finir. Les éclaireurs du mal avaient découvert quelque chose qui ressemblait fort à un site de rituel. On rapportait que celui qui sacrifiait un nombre suffisant de créatures aux marées pouvait créer quelque chose de maléfique et de puissant. On va leur montrer. Mutilez-les, brisez-leur les jambes, léchez-leur les oreilles. Parfait. Donc il est temps de jouer à Balance la créature. Tout le monde en ligne et préparez-vous à être noyé en ombre. Ah, il est précisé ici que ces créatures doivent être des squelettes. Il faut sacrifier des squelettes aux marées. Ah, bon. Tout le monde, sauf les squelettes. Remettez-vous au travail. La noyade a été annulée pour l'instant. Enfin, sauf pour les squelettes. Désolé, il y a eu trois textes qui se sont enchaînés, mais celui de l'embuscade, j'étais pas au courant. Ok, à plus Lyra. Oh putain, ça. Failli dire n'importe quoi comme pseudo. Ça c'est bon. Donc, parlant de squelette. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. La prison ici. On va pouvoir aussi, il faut faire ça très vite. Parce qu'on n'a jamais de mana. Et qu'il nous en faut, tout simplement. Chaque fois que le diablotin meurt, il a besoin de mana pour être régène. Donc il nous faut juste du mana. Ici, on n'en a que 37. Je pense que c'est mort. Ouais, il faut 100. Mais bon, pour le moment, ça s'arrange mieux. Les Naga se soignent entre elles. Ce que je me disais. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Et on a 100. Ah non, c'est la salle de garde, ce que je voulais, c'était celle-là. Dommage. Pas dû aimer que je le frappe. Qu'il aille plus vite. Jour de paye. Voilà, 100 de recherche.
On met tout de suite la salle pendant que les nagas... non, c'est celle-ci. Celle que je veux. Soigne leurs chers compatriotes de la horde. Voilà, on a la salle, normalement on a tout. Et il faut commencer à mettre les pièges, entre guillemets. Évidemment ça, ça ne marche pas. Ah, il n'y a plus de poulet. On va grandir la salle poulet. On va grandir la salle à poulet. Ici. Ça a l'air pas mal. Le bien périra. Oh punaise. Fréquence à laquelle je meurs, j'aurais intérêt à souscrire une assurance de vie. Un nom. Alors si l'autre est mort dans l'autre monde, est-ce qu'il réapparaît ou pas? Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Je dirais. Oh. Punaise, il s'est fait one shot, mais il y a du mana, donc il va régène. Les cœurs de donjon se allez, attaqués. On fait réapparaître Talia, parce que c'est la flemme. D'armure. Quand on calcule les dégâts infligés par la créature, l'armure ennemie n'est prise en compte que partiellement. Ça c'est très fort pour ceux qui font des dégâts. Donc le diablotin, mais j'ai bien envie de le donner. Comment il s'appelle? Celui qui est mort là tout à l'heure. Il est mort? Le gobelin. Oui, il est là, il est là. On va attendre qu'il réapparaisse. Je sais pas s'il y a besoin d'attendre, d'ailleurs. Il a l'air d'avoir besoin d'attendre. Ok, on ressort. On se met là, les nagas, faites votre boulot. Cette fois, vous avez le temps. Est-ce que l'état est crevé là-bas? Je des ennemis se sont introduits dans le donjon. Dès que je veux sortir, il y a des ennemis qui arrivent par l'autre côté. Même que le gobelin soit soigné. Votre cœur de donjon se fait presque. Attaquer.
ça se passe bien. Toi, tu vas mourir, donc mets-toi loin. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. Mets-toi là-bas. Jour de paix. Qui veut mourir? Toi, tu vas mourir. Non, toi, t'es déjà mort. Toi, tu vas mourir. Viens te soigner là. Le gobelin du coup, mais Orianna est en train de se soigner. Ouais, dès que le premier est soigné, on va se mettre là quand même. Encore se taper avec les crabes là. Ça sert à rien d'être soigné à 100%. Ensuite, ça, ça évite de soigner pendant trop longtemps après. Mais bah là, le soin est plus efficace que les dégâts des crabes. Et avec un peu de chance, ils auraient pu en focus un autre. Ça aurait été encore mieux. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. D'ailleurs là, on a cette recherche. Votre cœur de donjon se fait attaquer. Hasta la vista, baby. Pouvez ça, mince. Je voulais ce qu'il y avait à gauche et j'ai pris ce qui m'intéressait à droite. Je peux dire que ça m'intéressait pas non plus du tout, ce serait mentir. Oui, j'ai plus qu'un tank là par contre. Un tank et pas le petit DPS. Ça commence à faire une troupette qui est ridicule. Ah non, rentrer, rentrer.
Et là, ce que je veux, c'est que... Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Oui, tu bosses ici. Vous voulez libérer vos potes, mais c'est par ici que vous arrivez. Et bien sûr, oui. C'est tout à fait logique. Le cœur de donjon se fait attaquer. Les squelettes qui n'auront pas eu le temps. C'est dommage. On s'en fiche un peu. Votre cœur de donjon se fait attaquer. Ça c'est bien ça. Oui. Les tanks vont tanker. Enfin! Prochain truc, Talia doit tanker, faire des dégâts. Tout quoi. Jour de paix. J'ai zéro dégâts dans mon armée, on dirait. Ça manque de dégâts en fait, c'est surtout ça. D'habitude, Talia en produit plein, plus des dégâts de zone. Alors ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il est où? Il est là. Bonus de coup critique. Quoi? Tu veux pas bosser aussi? En repos. Ah, j'avais pas fait gaffe à sa statue. Ah ouais. Sa tombe, elle est belle. Sa tombe est même très belle. Ensuite... j'ai tout ce que je veux. Tout ce qu'il me faut. Ici, c'est encore une zone de... Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Des héros détruisent vos salles. Il est déjà mort. Tant pis. Alors toi t'es mort, tu vas là, vous êtes mort ou presque, allez vous soigner ici. Ouais, la Naga qui combat qui a 2 PV, va soigner les... Le bon soldat qui meurt au combat. Oh, pas de bière, effectivement. Et ici, on n'a pas agrandi la zone.
Donc ici, on va agrandir la zone. Si jamais on va en recruter plus. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Et on va mettre une zone à bière ici. Restez là. Ne vous faites pas voir par les crabes, je vous crois pas capable de les buter. Qui prend des dégâts, toi? Des héros libèrent des prisonniers de votre donjon. Important que ça. Voilà. Talia peut invoquer des gens. 15 secondes, c'est mort. Il tire sur quoi, lui? Italien. Non mais soigne l'Atalia, soigne l'Atalia. Les ennemis se trouvent dans votre donjon. C'est jour de paix. Donc c'est pas si grave. Le mal semblait indifférent à la nouvelle mort de Talia. Oui. Elle reviendra, certes, mais il devrait faire un peu plus attention à elle. Mais non. Le cœur de donjon se fait attaquer. T'es une rebelle en plus. Oh punaise, j'espère que je t'ai sauvé, sinon tant pis. T'as l'air d'être en vie. Défendez le cœur de donjon. Oh punaise. Je l'ai fait apparaître au mauvais endroit lui. Se fait attaquer. Cœur de donjon se fait démolir la gueule. Le mal l'avait laissé détruire. Et mince. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aimerais vraiment travailler avec des professionnels. Bien. Eh ben, tant pis. Pense que... Non mais là j'ai pas été très loin. Donc si j'y rejoue vite, en tout cas je vous enregistre l'épisode. Au moins où j'avance un peu, parce que si je vous montre que des épisodes ratés sur en VOD, vous allez pas kiffer. Bref. Enfin, je pense. À moins que vous aimiez me voir crever, je ne sais pas. J'espère du coup quand même que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis à très vite. Ciao.